contente de vous présenter ma nouvelle vidéo. Je sais que ça fait très longtemps, mais je vais vous présenter mes essentiels pour l'automne. Je sais que l'automne achève, l'hiver s'en vient, la température commence à se refroidir un peu plus. Mais j'en avais pas trop parlé, puis je pense que j'ai pas fait non plus mes favoris du dernier mois, fait que je me suis dit que ça serait une bonne idée. La vidéo, c'est une collaboration entre plusieurs youtubeuses. Donc c'est le challenge qui s'appelle #cremebox qu'on appelle. Et puis je vous mettrai tous les liens vers les vidéos des autres filles en barre d'informations. Ou sinon à la fin de la vidéo, vous allez voir, tout va être nommé, présenté. Puis là, on voit clairement ma boîte de chocolat qui est genre ici, que j'ai acheté en spécial à comme 50% le lendemain d'Halloween parce que je voulais vraiment du chocolat vu que je suis trop vieille pour passer l'Halloween maintenant. Premier item que je vais présenter, c'est évidemment les foulards, les ponchos. Je dis les deux ensemble parce que moi j'ai beaucoup de mes foulards que je peux comme transformer en ponchos si on veut, à part celui-là parce que c'est un Infinity. Puis sinon, j'en ai un carotté, j'en ai des motifs, j'ai comme une grosse collection. Et puis la plupart de mes foulards viennent vraiment toutes du Aldo et du H&M et Garage aussi, je vous dirais. Mais pour vrai, Aldo, je trouve que leurs accessoires sont tellement beaux, ok? C'est comme tout est juste tout le temps beau. Mon prochain favori, c'est ma nouvelle ligne de produits pour les cheveux. Donc mon shampoing, mon conditionneur et mon huile reconstituante. Et puis, ça vient de chez Dessange. Et puis, pour vrai, je capote, ok? Pour de vrai, l'odeur, ça me rappelle l'automne, ok? Je sais pas comment l'expliquer. Ça sent comme... on dirait des épices, mais comme un odeur de caramel sucré en même temps. C'est juste tellement réconfortant. Puis, moi, j'ai la ligne pour les cheveux surtraités et abîmés. Donc, c'est fait avec trois huiles précieuses. Donc, l'argan, le camélia et le pracaxi. Puis, je suis vraiment en amour pour vrai. Sauf que mon coup de cœur, c'est vraiment l'huile ici. L'huile pour vrai, je l'applique sur mes cheveux autant humides que secs, comme vous pouvez voir à l'instant. Et puis, ça vient tellement donner une belle brillance aux cheveux, ça m'enlève tous les frisettes qu'on pourrait avoir. Et en même temps, pour mes cheveux, je vous décide de montrer comment est-ce que je frisais mes cheveux parce que vous me le demandez toujours, mais c'est tellement simple ce que je fais. Donc, comme vous voyez à l'instant, je vous ai inclus un petit clip. Puis à la fin, je vais juste venir prendre mes cheveux, venir passer ma main dedans, puis ça va comme défaire un petit peu les boucles pour les faire plus naturels, puis ça rajoute pas mal de volume aussi. Prochain favori, je pense que je devais surprendre personne, mais c'est les lèvres foncées. On dirait que c'est ma marque de commerce à mon travail parce que quand je travaille, je suis cosmétienne en femme à prix, comme vous savez. Je ne porte que des rouges à lèvres foncés, des rouges, des bourgognes. Je trouve que ça me va quand même bien, puis je suis vraiment à l'aise de porter ça n'importe quand. Mes favoris, c'est vraiment les baisers velours de chez Lise Wattier. J'en ai deux autres teintes que j'ai perdues parce que j'ai transport de sacoche en sacoche, puis là, je sais juste plus son nom que le sac. Puis sinon, les Colourpop aussi, tout le monde en parle, tout le monde, c'est comme la grosse rage en ce moment, là, tout le monde parle de ça. Mais pour vrai, ils sont tellement beaux. Celui que je porte aujourd'hui, c'est le Baiser Velours de chez Lise Wattier dans la couleur Eternal Kisses. J'ai aussi le Baiser Velours dans la couleur Fashion Kiss qui est un peu plus comme mauve bourgogne foncé. Mais pour vrai, ils sont tellement bons. Je travaille avec, je mange avec, je bois avec, puis comme ça reste vraiment en place, ils sont pas séchants pour les lèvres non plus. Puis mon petit truc en plus, si vous avez peur que vous avez des petites lèvres, que vous devez absolument vous faire le contour de vos lèvres avant, ou que vous avez peur que votre rouge à lèvres fuit, le meilleur produit c'est ça, c'est le crayon contour lèvres virtuel de chez Lise Wattier. Puis souvent moi, à ma job justement, je conseille souvent ce crayon là parce que c'est quand même difficile de trouver un crayon pour aller avec chacun de nos rouges à lèvres. Puis je crois que ça va juste revenir beaucoup trop cher à la longue si on a un crayon associé à chaque rouge à lèvres. Tandis que ça, il est transparent. Donc vous pouvez le mettre vraiment avec comme n'importe quelle couleur. Puis moi, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Je suis juste venir comme ligner, si on veut, mais le contour de mes lèvres, ça m'a empêché de fuir. Puis pour vrai, c'est comme, c'est hydratant et quand même crémeux, donc c'est très facile à appliquer. Puis pour vrai, c'est juste magnifique, mais pour vrai, là, genre, lui, je capote, là, je suis vraiment en amour. Sinon, prochain produit que j'ai pas en main parce que ma maman l'a jeté. en gros, j'avais reçu, en participant à ce challenge, comme je vous dis, une boîte de granola. Donc, c'est de la compagnie Mixit. Mixit, c'est ça. Puis pour vrai, j'ai vraiment vous en parler parce que c'est vraiment trop hot, ok? Je viens de commander mon deuxième pot en ligne parce que qu'est-ce qui est vraiment le fun, c'est que vous pouvez vraiment choisir tout ce que vous voulez, ok? C'est dans un gros pot comme ça, c'est tellement cute l'emballage. Puis sur leur site, vous pouvez créer votre propre mix de Mixit. Donc vous pouvez choisir quel granola que vous voulez, quel fruit séché, quel noix, quel
mais vous pouvez vraiment faire n'importe quel mélange. Puis pour vrai, le mien que j'avais, il était tellement bon, ok? Il y avait comme des bananes, il y avait... C'était juste, c'était tellement bon, puis pour vrai, moi, j'ai mangé souvent juste avec du yogourt, là, je trouvais que c'était vraiment parfait. Puis, c'est ça, vous allez voir dans la barre d'informations parce que j'ai un code promo de 10% pour votre prochain, votre première ou prochaine commande si vous voulez l'utiliser. Prochain produit, c'est mon meilleur cash-in ever, pour vrai. Fanny de Fashion Beauty arrêtait pas d'en parler, puis je sais pas pourquoi, mais j'avais jamais utilisé. Puis là, j'étais comme, ok, là, je l'ai reçu dans la boîte de, avec certains produits que je vous présente, là, comme je vous ai mentionné. C'est une vidéo sponsorisée, oui, en passant. Moi, je le cache pas, je veux vraiment être le plus honnête possible avec vous. Puis, il y a des produits que je mentionne de mon propre gré, d'autres que c'est la compagnie qui me les a envoyés, mais vous savez que moi, des produits que j'aime pas, je vais jamais vous les présenter. Ça ne me sert absolument à rien, vous savez, je veux vraiment être le plus honnête possible avec vous. Puis, je veux rester authentique. Donc, je sais pas pourquoi trop est-ce que j'ai parlé de ça. Moi, j'ai vraiment la peau sèche, dont le dessous des yeux très sèche aussi. Puis je pense que c'est un des seuls cash-in que je trouve aussi crémeux, aussi couvrant, puis qui fait naturel. On dirait que j'ai aucune cerne en ce moment, là, genre... C'est incroyable. Puis l'éponge est super le fun, c'est juste venir twister, c'est facile à appliquer. Il tient, il vient pas creaser. Moi, j'ai toujours aimé mettre un petit peu de poudre, par contre, par-dessus, juste au cas où. Mais pour vrai, il est magnifique, là. Moi, la couleur que j'ai, c'est neutre. Et finalement, mon dernier favori, c'est les colliers, les chokers. Moi, j'ai commandé le mien sur le site Scarlett. Je le porte tout le temps. Puis, on dirait que j'avais un peu peur. J'étais comme, ça va vraiment pas bien m'aller, les chokers. Ça fait pas mon style, me semble. Sauf que pour vrai, je trouve que ça va relativement bien. J'ai comme un grand coup. Ce qui est comme pas tant quelque chose de beau, selon moi. Mais avec ça, je trouve que ça vient comme coupé. Puis ça fait vraiment un beau style. Fait que moi, le mien que j'ai, je vais essayer de retrouver le modèle. Comme je vous dis, vous irez voir en barre d'informations. Tous les produits que j'ai mentionnés vont être là. Donc, c'est tout ce qui va mettre fin à ma vidéo des essentiels d'automne. J'espère que vous avez apprécié un peu le montage que j'ai fait. C'est rien de trop compliqué parce que vous le savez, j'aime ce simple dans la vie. Aussi, n'oubliez pas d'aller voir les vidéos des autres filles qui ont participé au challenge de hashtag Cremebox. Puis, c'est ça. Si vous avez des questions, laissez-moi les en bas de commentaires. Puis, je travaille en ce moment sur ma routine cocooning. Donc, ça devrait être en ligne d'ici quelques semaines. Comme je vous dis, j'ai quelques événements dans ma vie qui se passent. Puis, avec les cas, je suis un peu occupée aussi. Mais promis, je fais le plus vite que je peux. Puis sinon, je vous souhaite une très belle fin de journée, soirée. Et puis, je vous aime fort, fort, fort. Et on se revoit très bientôt. Bye tout le monde!